several years I've been attracted by the architecture of the 20s and 30s. After I moved to Corbett-South Street, I became obsessed with the architectural ensemble of the Dizengoff Square, which happened to be 3 minutes of walk from my house. I felt happy as a child in an amusement park experiencing a two-storied square where from one can see the buildings like from London's double-decked bus. It gives an uncommon perspective on the surroundings and elevates both the point of view and the mood. And then I started to research on the history of the square. En fait, pourquoi la place est devenue tellement fameuse? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que... La magie, c'est quoi là? Parce que pour moi, c'est vraiment... Elle attire cette place, même maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est grâce à Verbeau qui a fait de belles bâtiments ou... Je crois que, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble des choses. C'est le fait qu'elle est arrivée à une certaine époque. Mm-hmm. Elle est arrivée à un certain moment du développement de la ville. Et à un certain moment du développement de la société, parce qu'en fait, ça a été la possibilité pour les Juifs d'exercer leur citoyenneté en Palestine. Puisqu'il s'agissait de faire ici une place, à Bima, une place culturelle, mm-hmm. C'est ce que Guedes souhaitait, c'était l'acropole, la double acropole culturelle, donc c'est une idée très très importante dans cette théorie de la ville. Et puis, et la place Dizengoff devait être une place à vocation commerciale et de détente. Omrim yeshna eretz, eretz shchurat shemesh, ayeot haeretz, eifot hashemesh. En 1925, Meir Dizengoff, le maire, appelle Patrick Guedes, urbaniste, biologiste, botaniste, à dessiner un plan de la ville. L'important, c'est qu'en fait, cette place, dans l'idée de Guedes d'ailleurs, va permettre de déplacer le centre de Tel Aviv qui se trouvait autour de la rue Allenby ici et autour de du début de Tel Aviv qui est le croisement entre la rue Herzl et le boulevard Rothschild, de déplacer ce centre vers le nord. Donc on voit que c'est une place hexagonale. Alors pourquoi l'idée d'un hexagone? J'ai retrouvé dans les archives de Patrick Guedes en Écosse, à Glasgow, c'est ce schéma qu'il a dessiné lui-même. Bon, il s'exprimait énormément par phrase, par schéma. C'était quelqu'un de très poétique, de très conceptuel en fait. Et alors par exemple, il avait réalisé, je vois, cet hexagone, dessiné cet hexagone, et en fait, ça représentait pour lui la synergie entre différents domaines du savoir. Et alors, il a mis ici hygiène, gouvernement, kinet, éducation, art et industrie. À partir du moment où elle a été en fait mise en œuvre sur le terrain, il a été décidé qu'il ne s'agirait pas d'un hexagone, mais d'un cercle. Et au sein de la municipalité est décidé le lancement d'un concours pour les bâtiments autour de la place. Donc c'est Genia Averbourg qui est là, une femme architecte de l'époque, comme il en existe très peu, je crois deux ou trois, qui gagne ce concours. Elle propose, avec sa sensibilité peut-être féminine, une place qui correspond tout à fait à l'idée que Guedes avait. Et elle propose aussi d'ailleurs un parking sous la place qui dépassera environ 1 mètre de la place. Mais ça n'a pas été réalisé. Et alors en fait, il y avait même des règlements. Par exemple, les lumières devaient être allumées et la fontaine de 8h à 10h le vendredi soir pour le Shabbat. Et puis la fontaine pouvait marcher dans la journée aussi certains jours de la semaine. Et puis ensuite, ça a tellement bien marché finalement qu'il y a eu trop de monde sur cette place et qu'on se plaignait, les gens se plaignaient, les riverains, de la saleté ou bien de l'afflux de personnes. Donc ça a été vraiment un très très grand succès populaire, cette place. Et puis dans les années 70, donc on a décidé de favoriser les flux de circulation au détriment de la ville nouvelle. Et on a creusé, c'est-à-dire divisé cette place en deux niveaux, l'un en dessous pour les voitures et l'un au-dessus pour les piétons, qui correspond au fantasme de cette époque aussi, c'est-à-dire des fantasmes d'ailleurs qui viennent des années 20 et 30, hein, de l'époque plus éloignée, mais qui n'ont pas été appliqués avant les années 60-70 en Israël. Et alors à ce moment-là, la place est comme on la voit maintenant, c'est-à-dire avec deux niveaux,
les voitures en dessous et les piétons au-dessus. Ce qui fait que plus personne. Enfin, c'est pas très agréable, c'est-à-dire que c'est un peu abandonné. The Eretz from the 14th of August year 07 reports that the city council allocated 2.8 million Israeli shekels to study the feasibility of demolishing the square and restoring it to street level as it was in its prime. The study will be conducted by the municipal governmental company Netive Ayalon and will consider traffic arrangements for the area after the demolition, architectural design of the square and a solution for the Agam sculpture.